Oh, le soleil sort d'un beau nuage. J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à être en vacances à partir de ce matin. Puis pour une semaine, pour deux semaines, il y en a d'autres que c'est pour trois semaines. Alors, vous êtes privilégiés et vous le méritez grandement. Spécifiquement, les vacances de cet été, en fait, on les mérite encore plus parce que la situation de la COVID nous a demandé beaucoup d'efforts, en fait, beaucoup de travailler beaucoup notre capacité d'adaptation. On a eu à faire des compromis, on a eu à faire à relever des défis, autant du côté de la santé, en fait, que du côté des finances aussi. Donc, ça a demandé énormément d'adaptation, énormément d'efforts. Alors, c'est normal que pendant ces vacances-là, cet été, on ait envie d'en profiter pleinement de chaque minute, de chaque journée, mais de chaque minute, en fait. Alors, je faisais mon jogging, puis je me disais, j'ai envie de les aider. J'ai envie d'aider tout le monde qui sera en vacances dans les prochaines semaines pour faire en sorte que ces vacances-là soient exceptionnelles sans toutefois compromettre les efforts que vous avez mis il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour atteindre votre énergie optimale, pour vous rapprocher de votre poids bonheur, pour maintenir votre poids bonheur. Ça n'a pas été facile là, durant la COVID, maintenir ces bonnes habitudes alors qu'on voyait sur nos fils d'actualité Facebook, des pains, des gâteaux, des sucreries, parce que oui, c'est normal et c'est humain de se tourner vers les sucreries quand on est en dehors de notre zone, quand on a besoin de récompense, quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin de douceur, de plaisir. C'est tout à fait normal, c'est humain. C'est depuis qu'on est tout petit, en fait, hein, que nos parents, notre éducation, tout ça a contribué à installer des programmes à l'intérieur de nous, des programmes des systèmes de récompense, des systèmes de réconfort, puis naturellement, ça nous amène vers la nourriture. Évidemment, dans le programme Mon poids bonheur, j'enseigne comment transformer ces systèmes-là à l'intérieur de nous pour arrêter d'être en combat puis avoir l'impression de toujours être à la diète, toujours d'être en restriction, puis spécifiquement, ne pas atteindre les résultats qu'on souhaite parce que nos systèmes de récompense, réconfort nous amènent toujours vers la malbouffe. Mais en attendant de vous avoir peut-être un jour dans mon programme Mon poids bonheur, j'ai envie de vous aider pendant vos vacances. Alors, j'ai deux questions pour vous. Badabim, badaboum. Bam! Deux questions! La première question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez pendant ces vacances-là? C'est ça ma première question. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez maintenir vos acquis? Maintenir les chiffres sur la balance? Est-ce que vous souhaitez faire plus d'activités physiques, maintenir votre énergie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez donner un sprint pour vous rapprocher encore plus ou juste maintenir l'air d'aller que vous avez? Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Quand vous allez arriver à la dernière journée de vos vacances, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez dire « Wow! Quelles vacances d'été 2020! » Posez-vous la question maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être tellement fiers puis que vous allez vous souvenir de ces vacances-là? Salut! Salut, salut tout le monde! Vous êtes tellement généreux! Vous êtes tellement généreux envers moi, toujours présent, toujours engagé. C'est tout le temps un plaisir de venir connecter avec vous. Vraiment, c'est cool! Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a Sabrina qui dit « Moi, je souhaite maintenir! » Oh yeah! Moi, Annie qui dit « Moi, je veux respecter ma nourriture, mon alimentation, mon cadre alimentaire, mon mode de vie. » Je pense que je vais me faire prendre par la pluie. Oh! C'est pas grave, ça va juste rafraîchir, ça va tellement faire de bien. Puis là, ça me fait un petit filtre devant le soleil, c'est un petit peu moins difficile pour mes yeux. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que si vous vous organisez pas, vous allez vous faire organiser, comme on dit souvent. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez à la fin de vos vacances? Qu'est-ce qui fera en sorte que la dernière soirée de vos vacances, vous ayez le cœur rempli de gratitude en vous disant « Wow! Quelles vacances été 2020! » Bougez à chaque jour, nous dit Manon. All right, moi je veux continuer à faire de l'exercice tous les jours et écouter ma société. Marie-Claude, oh yeah, quel bel objectif, c'est magnifique. Vous m'inspirez un matin, parce que moi c'est pour mes vacances, mais là, quand ce sera mes vacances, je vais penser à vous autres, ça va vraiment être le fun. Donc, première question, qu'est-ce que vous souhaitez? Et la deuxième question, ce sera quoi votre défi numéro un? Puis c'est là que je vais vous aider, je ne vous aiderai pas à fixer vos objectifs, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous souhaitez atteindre ou qu'est-ce que vous souhaitez maintenir ou qu'est-ce qui va remplir votre cœur de gratitude à la fin de vos vacances. Par contre, où est-ce que moi je peux vous aider en tant que coach? C'est au niveau des défis. Quels seront vos défis? Quel sera votre défi numéro un?
qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif? Quel sera votre défi numéro un? Je vais l'écrire là. Quand je vais revenir à la maison, je vais écrire ces deux questions-là. Ça va aider les autres personnes qui écouteront à en différer. Mais quel sera votre défi numéro un? Vous le savez, vous êtes les personnes les mieux placées pour savoir c'est quoi vos propres défis. Parce que le défi pour une personne n'est pas nécessairement le même défi pour un autre. Alors, pensez à ça. Ce sera quoi le défi pendant les vacances? Quel sera le défi? Est-ce que c'est les soirs de visite? Est-ce que c'est quand vous allez recevoir? Est-ce que c'est quand vous allez être reçu? Est-ce que c'est quand vous allez être sur la route? Est-ce que c'est la fatigue qui pourrait vous être un défi pour vous? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est les cornets de crème glacée? Quel sera votre défi numéro un? C'est là que je vais vous aider. Là. Cette semaine, on va faire en sorte que... essayer de vous faire des petits pop-up, des petits coucous là, rapides, mais efficaces. On va être expéditif. On va être expéditif dans nos rencontres, dans nos petits meetings, mais ça va être efficace, ça va être efficace, ça va être efficace. Alors, quel est votre défi numéro un, ou quel sera plutôt votre défi numéro un? Moi, ce matin, mon défi numéro un, ça va être de revenir, mais là, je vais avoir le vent dans la figure, fait que ça va être moins... Mais regardez, c'est noir, 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 puis c'est là que je dois revenir. Mais c'est pas grave, s'il pleut, ça fait juste du bien, c'est bien correct, c'est bien correct. J'ai déjà tout mouillé, anyway, puis je m'en vais dans ma piscine pour me rafraîchir. Alors voilà, je vais avoir hâte de vous lire rendu à la maison, puis cette semaine, je vous le promets, j'espère que le vin est correct, je vous le promets, je vais vous faire des petits coucous pour vous aider, pour que vous arriviez la dernière journée de vos vacances, le cœur rempli de gratitude. Alors je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye!